Salut à tous, une petite vidéo pour parler de la future version 7.2 de PAMAC qui est actuellement au 6 octobre 2018 au moment où j'enregistre cette vidéo, la version dite 7.2-dev. Elle apporte une grosse nouveauté que je vous montrerai plus tard, mais déjà PAMAC Dev a commencé à faire parler de lui. D'ailleurs, si on regarde sur le forum de Manjaro, section testing, vous aurez tous les liens dans le descriptif. On voit que PAMAC Dev, on commence à en parler à peu près à fin septembre. PAMAC. Et PAMAC Dev, dans le titre, on le trouve dès le 30 septembre. Donc vous voyez, c'est assez récent. La dernière version date de PAMAC Dev empaquetée, c'est la 7.2. Alors que je la retrouve. PAMAC, mon petit PAMAC. Voilà, la 7.2.0-dev3. Cependant, le projet est très réactif parce qu'on voit au moment où je vous fais la vidéo qu'il y a une modification au niveau de la gestion des paquets AUR 4 heures avant quand j'enregistre la vidéo. Autant dire que c'est assez récent. J'aurais bien voulu prendre une Manjaro, mais manque de peau, ça plantait. C'est justement parce qu'il y a un bug qui a été corrigé par rapport à ce commit. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, PAMAC, enfin un package build dans la troisième, et j'ai modifié tout ça. Voilà. Donc j'ai pris mon paquet PAMAC AUR Git. Je tiens à préciser que je ne mettrai pas la recette sur AUR parce que j'attends que les deux branches, PAMAC Dev et PAMAC Classique, fusionnent. Donc voici les modifications que j'ai apportées. Donc déjà, bien sûr, j'ai changé la source. J'ai modifié tout ce qui est numéro de version et compagnie. Et on se retrouve avec une 7.2 révision 13 parce qu'il y a eu 13 commits. Donc, je vous montre à quoi ressemble, bon, je ferme tout ça, j'en ai plus besoin, à quoi ressemble PAMAC 7.2 en version développement. Même s'il me dit que c'est une version 7.1.1, parce que je n'ai pas dû modifier tout ce qu'il fallait, il y a cependant des modifications, parce que si on va au niveau des paquets AUR, donc il faut bien sûr activer les dépôts AUR, vérifier qu'ils sont bien activés, voilà. Et si je prends n'importe quel paquet, je vais prendre par exemple TTY solitaire. Je maintiens la version Git sur AUR. Donc je vais prendre TTY solitaire Git. Je le coche, j'applique. Et boum, vous avez une fenêtre qui arrive qui vous permet d'analyser le package build, si vous en avez envie, et le modifier si vous en avez envie. Voilà. Donc, même on a une deuxième chance, View, enfin, Edit Build Files. Donc on peut recommencer. Différence et compagnie, si on a besoin. Sinon, on valide et ça compile l'ensemble. Voilà, c'est la grosse nouveauté de PAMAC 7.2. Rajouter cette sécurité au niveau de la compilation des paquets PAMAC. Paquets AUR, pardon. Donc, si je lance TTY solitaire, il va me faire une gueulante parce que, voilà, donc, je vais juste, voilà. Voilà, ça c'est la version TTY solitaire. Voilà, vous avez la preuve, le paquet s'est bien compilé. Donc, comme j'ai précisé, je ne passerai pas cette version sur le Git. D'ailleurs, je vais la désinstaller parce que je préfère rester encore avec un PAMAC stabilisé. Dernier point, vous savez qu'il y a eu pas beaucoup de mises à jour depuis en gros aux alentours de la troisième semaine du mois de septembre. J'avais testé, je voulais voulu faire d'abord la. Je sais plus. Bon. J'avais voulu tester la mise à jour depuis testing, parce qu'il fallait. Le mode principal, c'est activer testing sur le Manjaro, rajouter une mise à jour. On est déjà à plus de 500 mégas. Autant dire que la mise à jour qui arrivera aux alentours de la mi-octobre 2018, elle va piquer. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !